Hey, what's up, everybody? Welcome to my channel. My name is Paul, the Canadian Snowman, here once again with some more geography. Now, we're still on the regions, administrative divisions. I think this is what this series is called. We're on to France. I've done France, the actual geography now episode, but now we're doing the regions of France. So I guess we're going like province to province, state to state, or whatever France has. I don't know. And so we're gonna get, I guess, more in-depth look at the different areas of France and see what France has to offer. As you can see, France, no introduction needed. I've done a lot of videos. I've done like 20 something videos, I think, on Napoleon. So you definitely check out the Napoleonic Wars if you're interested, and like, history of France kind of stuff, because that was a fun series to do. And yeah, we're gonna jump into this. And France, is always in the middle, seems like, of every kind of European war, because they're a big influence, right? But anyways, guys, like and subscribe, all that fun stuff, and we're gonna jump into it. Maybe, yeah, here we go. Maybe. You deserve fast, reliable internet. Right now, extreme internet prices start at... Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire un épisode de Filler Week. Et cet épisode est un peu spécial parce que c'est la première vidéo où je parlais, surtout, intérimement en français. Ne vous inquiétez pas, on a des sous-titres en anglais. Beaucoup d'entre vous ont demandé ce sujet et donc on va le faire. Les régions de France. À l'heure actuelle, la France possédait 18 régions, 13 que l'on peut trouver en Europe et qu'on appelait France Métropolitaine et 5 qui sont en Outre-mer. Regardez l'Hespérie, il y a aussi 8 autres collectivités et territoires d'outre-mer, mais dans cette vidéo, on parlera seulement des régions. De plus, gardez l'esprit que la plus grande ville de... I feel like I'm gonna miss out on a lot of what's being shown in the video because I'm too busy reading the subtitles. That like picture of this, like, I'm not sure what this is, the cathedral or something. I'm gonna miss everything because I'm gonna be stuck reading the subtitles. I'm not, he might stop doing that, right? I don't know. Vidéo, on parlera seulement des régions. De plus, gardez l'esprit que la plus grande ville des régions ne sont pas appelées capitale, mais préfecture. Mais je vais juste appeler capitale parce que c'est plus facile pour moi. Et dans cette vidéo, je vais avoir un peu d'aide. Mes deux youtubeurs français préférés, Tony de French with Tony et William aussi appelé Doc Seven. Si vous ne les connaissez pas, abonnez-vous à leur chaîne. Tony enseigne le français et il a toujours des sous-titres en anglais dans ses vidéos. Et William enseigne, je dirais, tout le reste, mais il parle seulement en français, donc. Hey, some of my videos have English subtitles. Hey, I'm just saying, man, if you want to broaden your audience. Bref, on commence. Tony, on fait la France métropolitaine. T'es prêt? Ouais, on y va. Ok, on commence de l'ordre alphabétique. Je vais commencer. Auvergne-Rhône-Alpes, capitale Lyon, la deuxième plus grande ville de France. Le grand père hippie de la France. C'est une nouvelle région fusionnée qui a été créée en 2016. Comme son nom l'indique, elle contient la région historique de l'Auvergne, le fleuve Rhône et les Alpes. C'est clairement la partie montagneuse et plein air de la France. On peut y trouver le Mont Blanc, le plus grand montagne d'Europe après la... I feel sorry for the people watching this that have not seen this episode yet and are watching for the first time with me, because obviously the screen's going to be a lot smaller for you guys because, it's up in the corner. So I'm sorry, you guys. For some reason, I thought he was going to, like, that was just kind of like a funny intro and he was actually going to speak English the whole thing, but I guess I get to practice reading today. But I hope you guys were able to see it. I'm not sure. Because I know if you're on your phones watching this, it might be a little tough. So I'm sorry. Can't help it. Roussy, le massif central est la plus grande zone volcanique en Europe. Il y a plein de stations de ski, la nature, Lyon est plutôt vu comme la capitale culinaire de la France et pour certains du monde. La raison est que les différents paysages lui donnent toutes les ressources, les montagnes, les lacs et rivières, les légumes dont les charolais, les fruits dont la drôme, les poissons en Savoie, et la liste continue. Dans les années 60, il y avait comme un mouvement hippie contre De Gaulle. La compagnie Michelin a débuté
nous là-bas. Et ouais, plein de sports d'aventure et autres trucs. Prochaine région, Tony. Bourgogne-Franche-Comté. Capitale, Dijon. C'est comme un peu le frère au passé étrange. C'est une autre région fusionnée entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Ils ont vraiment été créatifs quand ils ont donné les noms aux régions. Vous avez sûrement déjà entendu le nom Bourgogne et son lien avec le bœuf bourguignon et le vin, comme le chardonnay, le pinot noir et la ligotée. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la moutarde de Dijon. Eh bien... Yeah, I've definitely heard of all of those. I assume they were French, right? They sound French, so yeah. Dijon mustard, okay, it's French. I guess in Dijon, French, right? I guess it has the Eiffel Tower on there, so I guess it's pretty self-explanatory, right? I don't know if I've had Dijon mustard before. Chardonnay, I've had Chardonnay before. I'm not really a big wine person, though. Le pinot noir et la ligotée. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la moutarde de Dijon. Eh bien, ça vient de là-bas. On cultive aussi pas mal d'escargots là-bas. Historiquement, cet endroit a joué un rôle crucial en France. La Bourgogne avait son propre royaume et duché. Leur territoire s'étendait carrément jusqu'aux Pays-Bas. Pour faire court, ils ont pris part à beaucoup de guerres. Ce gars, Charles le Chauve, a été tué. Et ils ont fini... Come on, there's a million wars. I mean, every state here can probably... contribute to saying they were part, you know, big things happen in their, I'm sorry, their prefectures happen there. Yeah, I'm sure there's something to do with war that probably happened in every single one of them just because. I mean, I just finished doing the Hundred Years War, and that took up, like, there's battles basically almost seemed like in every, you know, prefecture. I'm sorry, I can't even pronounce that. But anyways, I don't know where I was going with this. Finalement, fait partie de la France. Ils ont parmi les églises, monastères et palais les plus importants de France, dont beaucoup sont classés à l'UNESCO. Oh, et ils ont une des villes de France, Mout, qui est parfois appelée la Petite Sibérie. Bretagne, capitale, Rennes. C'est l'oncle celte un peu bizarre de la France. Les natifs bretons sont techniquement apparentés aux autres peuples celtes, comme les Irlandais, les Gallois et les Écossais. Ils ont même leur propre langue, le breton, que l'on peut voir sur les plaque de roue, mais à notre époque, elle n'est plus parlée que par les anciens. Certains écoliers essaient de relancer, mais c'est pas facile. Néanmoins, ils sont fiers de leur patrimoine. Ils ont même un festival traditionnel chaque année en août. Pendant très longtemps, ils ont voulu être indépendants de la France, mais vous savez, la France n'allait pas les laisser faire. Ils ont presque réussi qu'on lui... They want their independence from France. Does that ever get sparked up every now and then, like maybe in the news, get kind of sparked into like a conversation or something? Like, I don't know, just it pops up every now and then, but just fizzles out, you know, just as a thing. I don't know. It's like, you know, Quebec, part of Canada, you know, they for a short time there, they wanted to try and break off. But it never, the conversations never really came back up. So I guess maybe the same with you guys, the conversation never really came back up. I don't know. Let me know in the comments if you're still watching this. Deuxième a promis qu'il obtiendrait l'indépendance, mais le roi d'après François Ier lui a juste dit non. La crêpe. There's a lot of static there. Is it my computer or my speaker, or is it coming from him? L'indépendance, mais le roi d'après François Ier lui a juste dit non. Les crêpes ont en fait été invitées là-bas et ils boivent pas mal de cidre. Dans l'ensemble, c'est probablement une des zones de France qui se distingue le plus des autres. Centre Val-de-Loire, capitale Orléans, même si Tours a le plus d'habitants. Elle s'appelait avant Centre, mais les gens se sont plaints que le nom était trop ennuyeux, alors ils l'ont changé. C'est un peu comme le sympathique petit collègue de Paris avec qui il travaille bien et il gère de nombreuses entreprises. C'est la capitale des cosmétiques français et un centre important pour la technologie et la pharmaceutique. Le fleuve, la Loire, bien célèbre, passe par là. C'est un peu le lieu d'escapade où les familles royales partaient quand elles voulaient quitter Paris. Tours est même appelé le jardin de la France. Il y a de nombreux palais et châteaux où ils se rendaient. Historiquement, on dit que c'est l'endroit où la langue française actuelle est apparue. Is this my computer? I'm sorry, like, right now, because I'm getting a lot of static. I wonder if you guys can hear it on your end. I guess it's probably not part of the episode. Maybe it's just my laptop. I hope that you guys don't get the static coming from yours, but I got a lot of static. Anyways. Yeah. Let's see if this works.
au 9e siècle, quand les gens ne pouvaient plus comprendre le latin et que le gaulois était une langue morte. Chaque année, il y a une course de vélo entre Paris et Tours. Oh, yeah. Et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Tour of France, they get... But this... I missed... Hold on a second. Every year, there's a bike race between Paris. Yeah. Il y a une course de vélo entre Paris et Tours. Oh, et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis est nommée d'après Orléans. I'm sure that's one of the biggest things for you guys, right? You guys got tons of tourism with that. I guess a lot of the towns that it goes through, you know, probably make their like yearly quota just from that race, I'm assuming. Tour de France, I don't know. I just know it's a big bike race. That's an every year thing, right? Corse, capitale, Ajaccio. La région qui a une île méditerranéenne, c'est probablement une des plus étrangères régions et une des moins pro-français du pays. D'abord, really? Ils ont leur propre langue régionale reconnue, le Corse, qui en fait plus apparenté au dialecte toscan d'italien. Ils sont relativement nouveaux en France. En gros, elle était vendue à la France par l'Italie pour rembourser une dette au 18e siècle. Ils ont leur propre niveau d'autonomie appelé la collectivité de Corse. Et beaucoup de gens là-bas se sentent corse avant de se sentir français. Et au fil des années, il y a eu un léger mouvement nationaliste et même des affrontements, mais c'est un sujet compliqué. L'île est magnifique, elle possède beaucoup de sites à la fois naturels et aménagés. Ils ont leur propre spécialité culinaire, culture, tradition, festival. Okay. Oh, et Napoléon vient aussi de là-bas. Grand Est, capitale, Strasbourg, qui est aussi... I'm sure, like, in France, you know, you guys have your family. Your little squabbles or your little debates between each, you know, region. I'm sure, like, how my, well, Napoleon's from our region. Haha, I'm sure that probably comes up in comments and stuff, maybe. In sports, maybe, you know, you're having a back and forth of whose is better. I don't know. C'est le siège du Parlement européen. C'est la région à la porte de l'Allemagne. Donc, c'est possible que vous voyez beaucoup d'influence allemande près de la frontière. La capitale, Strasbourg, a même carrément un nom allemand. Beaucoup de gens là-bas parlent allemand et ont de la famille allemande. Même la nourriture est plus germanisée et on peut voir plus de bière, saucisses, flammkuchen. Well, I'm sure, like, you know, if you're on the border with Germany, I'm sure each side kind of, you know, visits each other, and you're obviously it's going to happen where you fall for someone or you meet someone that you like that's from the other country. I mean, so it's around all the kind of border, all the borders of, you know, countries, you know, you're going to have a little bit of a mix right there. So I guess no surprise, but food looks delicious. Sausage, Choucroute ou Bretzel, c'est une autre région née de l'agglomération de plusieurs régions, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Mais c'était pas super comme nom, du coup, le gouvernement est arrivé et puis a fait wow, c'est beaucoup trop long, on va l'appeler Grand Est. Reims est la capitale du Champagne, c'est de là que vient cette boisson et qu'elle est produite. La magie. Ok, I thought champagne came from France, so now it can be clear. Okay, I was going to actually say it earlier, but I didn't want to be wrong. But okay. Say more to Dame, okay? Majestueuse cathédrale Notre-Dame de Reims est aussi l'endroit où les rois étaient couronnés. Et là. Oh! It was weird. Picking it up. Hold tight, people! The legacy. La Lorraine fait de bonnes quiches. Hauts-de-France, capitale, Lille. On m'a dit que c'était un peu le beau père bourré de la France. En fait, c'est étonné. Le nom ne correspond pas bien à l'endroit parce que Haut donne un petit côté aristocratique, mais les gens là-bas sont juste des gens simples et bon vivants. La région est née de la fusion des anciennes régions Picardie et non pas de Calais. C'est un peu le porte-entrée du Royaume-Uni, comme le tunnel sous le Manche relie la France et l'Angleterre. Si on regarde bien attentivement, on peut parfois voir l'Angleterre depuis la côte. On peut aussi trouver... Yeah, apparently it's a road. For some reason, I just thought it was a train that went from France to England. But yeah, obviously I've learned that, you know, obviously on the France side, you drive on the right side of the road, and in England, you drive on the left side of the road, which, you know, you guys let me know that there's a whole bunch of signs when you get to the other end. But I thought it was just like a train ride. I didn't realize cars can kind of drive through there, so that was really interesting and cool to find out. Lots of migrants from all over the world. Okay.
Là-bas, de nombreux migrants de partout dans le monde qui vivent sur les côtes et essaient d'aller en Angleterre. La culture est proche de la culture belge. Ils aiment le moule frites, ils ont leur propre dialecte, le chiti où certains mots se prononcent différents comme ça va qui devient chava. Et sinon, le français se moque toujours un peu des gens de là-bas. On dit qu'ils boivent trop, mais en fait, peut-être qu'ils aiment juste vivre. Île-de-France. Yeah, like a little life and having fun. I mean, it's everywhere, right? I mean, some people, that's their thing, right? I mean, I like to drink. I probably not as much as these people do, but I like to go there and party with them. This probably seemed like probably a fun bunch to, you know, to hang out with anyway. Capital, Paris, here we go. Capitale, Paris. C'est tout simplement Paris et sa banlieue qui l'entoure. Parfois, les gens l'appellent juste la région parisienne. J'ai pas besoin de tout expliquer. Vous savez qu'il y a tous les musées, bâtiments, monuments et sites touristiques bien connus. Tous les gens qui ne viennent pas de là-bas aiment critiquer cet endroit parce qu'il attire toute l'attention. Pourtant, Paris ne représente pas toute la France. I get it because, you know, I'm from Toronto, and Toronto gets all the criticism because it gets all the attention, you know, and, you know, other places that if you're not in the Toronto area, you know, you kind of get sick of it because it gets all the attention. So I definitely understand the whole Paris getting all the attention kind of thing, yeah. France. Parce que le gouvernement est centré là-bas, c'est à cet endroit que toutes les décisions législatives sont prises. Avec près de 12 millions d'habitants, elle a la plus grande population, le plus d'argent, d'entreprises, de spectacles et globalement de pouvoir. Que vous l'aimez ou la détestez, cette région joue un rôle important en France. Tout le monde a les yeux rivés dessus. Normandie, capitale, Rouen, Rouen, Rouen. Sounds like an angry capital. La plage de la Normandie. Vous avez entendu parler de cet endroit par rapport à la Seconde Guerre mondiale. La Normandie, c'est un peu la partie viking de la France. Historiquement, elle était peuplée par les vikings qui, en se mariant avec les francs et les celtes, sont devenus le peuple normand. C'était quelque chose complètement séparé de la France. I've done the Norman conquest. So that's kind of cool. The Normans came into it because I've done a series on the Normans. So yeah, definitely check that out. If you're still watching, because I have no idea the static I'm hearing. I have no idea if it's going into the video right now. So you guys might not hear it at all. And just, you know, I'm just talking about nothing because you guys can't hear it. If you do hear it, I apologize. And you probably have turned this video off by now because it's probably annoying you. But, you know, I'm watching the video. I got to keep going on. So maybe there's some people still with me. Ils ont fini par prendre la mer et ont conquis une partie de l'Angleterre, de l'Italie, de la Turquie et de la Syrie. Ils ont leur propre dialecte, style architectural et même des vaches. Et le paysage plat de terre verdoyante font de la Normandie quelque chose comme la terre, la produit laitier de la France. Et ils ont le fameux Mont-Saint-Michel qui est temporairement accessible à pied quand la marée est basse. Fun fact, les îles Manche où... Hold on. For a second, I thought that was like a model. Like, that doesn't even look real right there. It looks like, I don't know, like this, I don't know, those little toy, not toy, but like those knickknacks, you know, on a shelf, you know, that's somebody just sit in the sand. So, wow, that's pretty cool looking. Wow. Vraiment accessible à pied quand la marée est basse. Fun fact, les îles Manche ou îles anglo-normandes, the Channel Islands, faisent partie de la Normandie, mais font maintenant partie du Royaume-Uni. Oh, mais beaucoup de gens là-bas parlent encore français. Nouvelle-Aquitaine, capitale Bordeaux. La plus grande région par la taille. Elle est née de la fusion de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. C'est un peu la sœur à la cool de la West Coast française. Cet endroit est vraiment unique parce que les gens sont très différents. D'abord, c'est sans aucun doute que cette région est connue pour être la région la plus productrice de vin en France. Où le cognac a aussi été inventé et il vient du nom de la ville de Cognac. So how big is like wine like in France? Like is that like a huge part basically that makes a lot of money for the country because yeah, it's been brought up a lot. So I'm assuming that's like a giant business that a lot of people are probably into. In France, you know, I wonder like how many people actually work for like the wineries and whatnot. So it seems like a lot, but maybe it's just kind of might just be a real small portion. It's just like kind of a big deal in France. I don't know.
Au sud, près de l'Espagne, se trouvent les montagnes des Pyrénées, où on peut trouver des ours, un très grand nombre de plantations de noix, et les Basques. Ils ont leur propre langue, qui est reconnue par le gouvernement. C'est une des plus vieilles langues d'Europe, et elle n'a aucun lien avec d'autres langues dans le monde. Ils ont un solide sens de l'identité basque. Il y a la nourriture basque, les festivals basques, la musique traditionnelle basque, et j'en passe. Et le cliché du français qui porte un béret vient supposément du Pays basque. Oh, et ils sont aussi connus pour la fabrication des cannelés. Occitanie, capitale, Toulouse. C'est un peu le grand frère sympa. Le nom de cette région vient de la région historique d'Occitanie, qui couvrait presque tout le sud de la France et une partie de l'Espagne et de l'Italie. Ils ont leur propre langue, l'occitan, proche de catalan, bien qu'elle n'ait pas de statut reconnu, et moins de millions de personnes qui le parlent aujourd'hui. Néanmoins, on peut quand même parfois voir des plaques de roues et des documents officiels écrits en occitan. Ils sont aussi connus pour la croix occitane, le symbole qu'on trouve sur le drapeau. On trouve ici une culture plus méditerranéenne, l'huile d'olive est très utilisé pour la cuisine. L'architecture change aussi et on commence à voir beaucoup plus de roches calcaires beiges. Limestone. Oh, I didn't know that word. Tony translated, I'm just gonna reading it. Toulouse est connue comme la ville rose. Et mon ami m'a dit que c'est un peu comme Paris s'il n'y avait pas autant de touristes pénibles. So why is it called the Rose City? Is it just like a lot of roses kind of blooming around there? Or because, you know, roses are very beautiful. And so they just look at the city as being very beautiful. So, you know, rose, beautiful, all that fun stuff, right? Maybe it's a very romantic city. I don't know. Without the annoying tourists. Well, in France is pretty popular, so I'm sure you guys get plenty of them. But... Pays de la Loire, capitale Nantes. C'est le terrain de jeu étrange de la France. À Nantes, on peut voir l'éléphant mécanique à l'esthétique steampunk et le carrousel du monde marin. C'est une des plus grandes régions de châteaux de France. Ils ont une des compétitions automobiles les plus anciennes et les plus connues, les 24 heures du Mans. Elle se déroule en juin. Il y a le Puy du Fou en Vendée. C'est le deuxième parc d'attractions le plus populaire après Disneyland Paris. Ces attractions sont comme un voyage vers le passé. Et pour les métalleux, il y a le Hellfest. Situé à Clisson, c'est le premier festival de métal en France et un des plus grands en Europe. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Capitale, Marseille. Vous avez sûrement entendu parler de la French Riviera. Yeah. Oui, c'est ici. Les meilleurs plages, les endroits les plus ensoleillés de toute la France. Beautiful. On peut trouver Monaco complètement craché dans cette région. Il y a aussi beaucoup d'immigrants d'Afrique du Nord là-bas. Donc, on peut voir beaucoup de restaurants arabes et maghrébins. C'est aussi l'endroit où le premier cinéma du monde a ouvert. Wow, et diffusé really? Le premier film que les frères Lumière ont réalisé. Et chaque année, ils ont... The first cinema in the world was here? Man, that's pretty impressive. You got that's something pretty cool to brag about. And they have a film festival there. That's pretty cool. Film by the Lurie brothers was shown. I don't know who the Lumiere brothers, I don't know who those are. I'm sure everyone in France probably knows them. But it's just cool. The theater thing is pretty cool. C'est le premier film que les frères Lumière ont réalisé. Et chaque année, ils ont actuellement un festival de cinéma à Cannes. Hey Tony, t'es de Nice, non? Oui. Donne-moi quelques infos. Pour avoir beaucoup voyagé, je dirais que je suis toujours content de retrouver Nice. Pour beaucoup de gens, c'est un endroit paradisiaque avec sa promenade, le fait qu'on soit très proche des Alpes et qu'il y ait de la nature, beaucoup de nature dès qu'on sort de la ville. C'est assez grand, mais aussi suffisamment petit pour qu'on puisse s'y déplacer à pied. Donc, en vrai, c'est plutôt sympa. Merci Tony. Maintenant, on arrive au vrai. Cities and just towns are always great. I mean, you don't have to have a car. And like, if you can walk to the place, I mean, that's already a win in my book, you know, especially if tourists, you know, if you're just trying to like walk around and trying to explore, and it definitely helps if you don't need a car and whatnot. But anyways, yeah. T'es à pied. Donc, en vrai, c'est plutôt sympa. Merci, Tony. Et maintenant, on arrive aux régions d'outre-mer. Et vous savez quoi? On va demander à William de nous aider maintenant. Il est né dans un de ces endroits. William, t'es prêt? Oui, Paul. On y va. Alors, la France a 5 régions d'outre-mer. Elles ont exactement les mêmes statuts que les régions de France métropolitaine. Il y en a 2 dans les Caraïbes, 1 en Amérique du Sud et 2 au large de l'Afrique de l'Est. Elles font toutes les 3 parties de la zone euro, hein, de l'Union européenne, mais pas de l'espace Schengen. Martinique, capitale Fort-de-France, et Guadeloupe, capitale Basse-Terre.
Ce sont un petit peu les Hawaï de France. Les gens adorent aller là-bas en vacances. Et puis on va traiter ces deux-là ensemble parce qu'elles sont assez similaires finalement. Ces deux régions se trouvent dans les Caraïbes. Ce sont des îles tropicales volcaniques qui ont aussi bien été des refuges de pirates à l'époque que des zones de conflit entre la France et d'autres pays européens, notamment les Anglais. La Guadeloupe est composée de beaucoup d'îles, et notamment de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui faisaient partie de la Guadeloupe, mais qui s'en sont détachés, entre guillemets, politiquement, en 2007. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de la population guadeloupéenne et martiniquaise est créole, c'est-à-dire métisse. Hein. Ce sont des îles où le métissage a beaucoup lieu. Les habitants descendent aussi bien d'ancêtres africains qu'européens. Chacune des deux îles parle un créole un petit peu différent, et surtout, chacune ont des styles culinaires et des festivités bien à part. D'ailleurs, la Guadeloupe et la Martinique font partie des îles des Caraïbes où le niveau de vie, ou le standard de vie est le plus élevé. Guyane française, capitale, Cayenne. C'est l'endroit où je... Some of the highest standards, though. It's gotta be an expensive place, though, you know, there, if they have to have some, if they have some of the highest standards, right? Anybody watching this that's, you know, that lives there? Anyways, on to the next one. Je suis né et où j'ai grandi. La Guyane se trouve donc en Amérique du Sud et elle est encadrée par le Suriname et le Brésil. C'est d'ailleurs la seule région française d'outre-mer qui n'est pas une île. Elle est recouverte à 95% par la forêt amazonienne. La Guyane a deux grosses spécificités. Déjà, son histoire pénitentiaire. Elle a accueilli pendant de nombreuses années un terrible bagne où étaient envoyés les délinquants et les criminels depuis la France pour y purger des peines abominables. Wow. D'ailleurs, beaucoup de ces structures, de ces bâtiments sont encore visibles et visitables. Et puis, on ne peut pas parler de la Guyane française sans parler du centre. I've never visited a prison, so it'd be kind of neat, you know, to visit there. I guess it's a tourist spot right now, I guess, so that'd be kind of cool. I would definitely, if I was in the area there, I'd definitely check it out. But I guess something really would have to be crazy for me to visit that part of France, that region, because if I was going to visit France, obviously I didn't want to go to the mainland. But, you know, I'd definitely visit there if I was there, you know, for some reason. Spatial guyanais. C'est là que partent depuis 50 ans les fusées européennes. Comme en Guadeloupe et en Martinique, la population est ultra diversifiée. Beaucoup d'Amérindiens, de Créoles, de Métropolitains, de Noirs-Marrons, ce sont des descendants d'esclaves. Il y a aussi une très forte communauté de Hmong qui a immigré depuis le Laos dans les années 70. Et puis l'événement majeur en Guyane chaque année, c'est le carnaval. Il dure parfois plus de 2 mois. Mayotte, capitale Mamoudzou, et Réunion, capitale Saint-Denis, les deux régions africaines. En gros, quand les Comores ont obtenu leur indépendance dans les années 70, la population de Mayotte, elle, a décidé de rester française. Mais là-bas, le français est plutôt une langue secondaire. La majorité de la population a pour langue maternelle le Chimaoré, qui est proche du Swahili. La majorité des gens sont musulmans et ils sont en fait cousins des Comoriens. Comme beaucoup d'îles tropicales, la faune et la flore sont impressionnantes. On fait pousser à Mayotte beaucoup d'îlangues. Ylang, une fleur utilisée dans la parfumerie. La Réunion, elle, est une des îles volcaniques les plus actives de la planète. La population est très diversifiée. Près d'un quart des habitants sont blancs et le reste est... One of the most active in the world. I'm sure there's no communities that live nearby then, right? Everyone's, I'm sure everyone there lives far enough away so if it explodes, everyone's all right. Right? You let me know in the comments if anyone actually lives nearby. You know, because that'd be pretty scary. C'est composé de créoles, de noirs africains, de malgaches, d'indiens et de chinois. Et puis, pareil qu'en Guyane, Guadeloupe et Martinique, les habitants de la Réunion ont leur propre créole, le créole réunionnais. Comme à Mayotte, les réunionnais pratiquent un art martial assez spécial qui s'appelle la moringue, qui est assez proche de la capoeira. Et voilà pour les régions d'outre-mer et pour toutes les régions de France. Merci, William. Maintenant, gardez l'espérer que la France exerce en fait sa souveraineté sur les autres collectivités et territoires avec des statuts autonomes. Comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, tout comme sur les îles inhabitées comme Crozet et les îles Clipperton. Mais on pourra en parler une autre fois. Cette vidéo parle juste des régions. Une fois de plus, je remercie mes youtubeurs français préférés Tony de French with Tony. Je pense qu'il est un des meilleurs professeurs de français sur YouTube. Et bien sûr, William alias Doc Seven, abonnez-vous à leur chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Honestly,
I probably didn't realize who was talking after the entire video because I was too busy reading the subtitles, so it probably wouldn't have mattered who was talking because I was too busy trying to read. So, which I also want to apologize because, you know, usually because I'm trying to look at this and then the pictures, I'm trying to glance up at the picture, but I'm trying to read as well. So I'm sure this is going to be a disliked video just because of that, you know, me trying to read. So I apologize about that, but I really hope the stack is not coming through for you guys, because I really do apologize if you're getting the static on your end, because I think it might just be my speaker is messed up. But like, yeah, just a first quarter of the way, the static just came out of nowhere, and I was like, is this part of the video or part of my computer? And I sure hope it's not part of my computer, because if I end up uploading this and there's static and I can't figure out where the problem is, it might be a while before I upload another video. So I'm really hoping that this is just like a one video thing, you know. But anyways, guys, hope you enjoyed this video. Please hit the like and subscribe and all that fun stuff. This is definitely new, having subtitles on an entire video. And yeah. But anyways, like and subscribe. I catch you guys in future videos. And I'm not sure what is next when it comes to regions. Oh, we're going to Japan. That'd be really cool, right? But yeah, like and subscribe. Yeah, and catch you guys. Yeah, whatever. Have a great day, great night. Geography now is awesome. Woohoo! I am out of here. Peace.